cas, les premières fautes pour le Strasbourgeois. Et c'est relancé, baseball pass. Pour Brandon Jefferson, qui va faire le tour, ressortir ce ballon. Dans un fauteuil, ou presque. Et la team qui lance le compteur. Dans un fauteuil. Ouais, une belle passe. Et surtout un... Alors là, par contre, lui, on l'a laissé y aller tout seul aussi. Ça, il faudra le surveiller. La vitesse. Du Nigérien, vous en parlez il y a un instant. Belle passe de Jardin. Et le gros contre de Touré pour nous sortir ce ballon. Et on va qu'il décide de jouer très rapide. Ça n'a pas perdu longtemps aux deux coachs, à mon avis. Les Allez, grands boulevards, dommage. Échec de Touré. Ouais. Bien lancé, ballon récupéré par les Strasbourgeois qui continue à jouer rapidement avec Jefferson. Qui va trouver Boacic débarqué. Pour la SIG. Ouais, qui va avoir à cœur de bien démarrer ce match, hein, se mettre tout de suite dans les bonnes dispositions. Éviter, hein, je repense à ce match complémentaire, hein, vraiment le syndrome du match où un petit peu doucement, on commence pas trop vite, on trouve pas d'adresse et puis on se retrouve à 5 points, à 10 points, à 15 points, à 20 points à un moment. Et on se complique la vie. Si la SIG pouvait se. Beau tir de l'intervalle de Yanis Morin. Ouais, bien fait encore. On parlera du parcours de ce joueur un petit peu atypique, mais qui a perdu ce ballon. La longue passe à nouveau vers Boacic qui avait. Et qui va résister au retour. Il est marqué de près cette fois-ci. Il va continuer de jouer rapidement. Allez, on va pouvoir travailler un petit peu. Du mouvement, la balle perdue. L'interception de Francisco qui va temporiser. Et s'ouvrir un shoot à 3 points qui passera pas. Bon, de Touré. Ah, la bonne défense. Ouh, la relation. Et le grillage. On va le retrouver, il a des jambes pourtant. Et il va nous balancer ce petit Tu dis Mathieu, hein, les matchs s'enchaînent tous les deux jours, donc la moindre petite alerte, il faut réagir. Ouais, bah, au Youfat qui pénètre et qui provoque une faute de Ishmael Wanwai. Redécouvre l'élite du basket français. Maillot de Rohan. Bien joué, quelle belle passe. Maille, la deuxième couche. Le facteur. Bah ouais. D'ailleurs, marqueur côté strasbourgeois déjà, avec une dizaine de points au compteur. Belle passe. Position pour, ouais. Et dunk de Touré. Ouais. Ouais. Ouais, Clément Cavallo qui est rentré, le gaucher. Et tire à 3 points de Francisco. Il est revenu en France un petit peu par la petite porte, mais joueur pétri de talent véritablement. Et JB qui va, voilà. N1 de... Il a du mal hein, pour avec la balle là, il est souvent obligé de dribbler, qui trouve Jefferson pareil. Voilà, ça c'est bien, ça c'est voilà. Bien. Voilà. On est d'accord. Rohan est en place défensivement en tout cas. Ah, il y a plus de passes côté Strasbourg déjà. Colson, on va retrouver dans le corner la base des Donchik en bout. Et ben voilà. Et Jason qui relance. Allez, c'est lui qui remonte ce ballon. Le poster. Wright qui y va tout seul, qui a transpercé quasiment à lui tout seul toute la défense de Rohan. Et pour l'instant, eh ben, ils offrent rien. Jefferson qui est un petit peu compliqué. Et le grand rebond pris en offensive, pareil, tout d'un. Voilà ce qu'il attend. Et Jason va peut-être mettre son deuxième. Et ben voilà, 2 sur 2. Que de rebond défensif de la CIF Strasbourg. Ça fait une possession sur deux et reprise par Rohan. Donc c'est un peu mal barré. Hey. Intérieur pour William Wright. Je pense qu'ils vont attaquer le jeune Brouillas. Une fin d'écran et un tir à 3 points pour Brandon Jefferson. Le corner, voilà, au meilleur moment. Ok, ça c'est fait. Ah, et puis, j'aime beaucoup le joueur. Enfin, c'est très, très mobile hein, malgré sa très grande taille. Ça y est, DeAndre Lansdowne, la différence. Et il l'accorde, ouais, accordé, ah, ça fait mal. Avec le N1, un peu en mode, on est venu parce qu'il fallait jouer, mais j'ai personne, ouais, ouais. Bien, bien les belle passe, en bleu, pour l'instant. Belle finition de Yanis Morin également, sa papa de gauche. Hein. Artis qui fait le grand tour hein, face à Colson. Et interception de Brandon, qui lance Bonzi Colson, très belle passe. Voilà, pour aller voilà, jouer un jeu dunk. Les bases. Francisco, oh, super mou hein, pour passer entre les deux. Comme ouais, c'est la grande classe. Hein. Oh, 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 ça, c'est la grande classe. 9 tirs même en première mi-temps pour lui. Il a pris presque le tiers des shoots de son équipe. Colson, allez, lui aussi nous donne une revanche après sa première mi-temps. Gérard de mi-teinte en. Et un essifflé, tir à 3 points de Boacic.
Dommage, il aurait fait du bien celui-là. Ouais, un mini écart, une relance. Chance peut-être. Jefferson, même endroit. D'habitude, c'est Gamel. Celui-ci, pas mal donné depuis le début de cette rencontre. Qui va récupérer la faute. Alors là, c'est franchement, c'est à peu près le même. Qui s'arrache son troisième déjà dans ce troisième quart. Oh, il y avait une belle passe. Pas. Ouais, il l'a fait tout ça. Et ouais, c'est dedans. Et le Cavalier point serré, vous l'avez vu. 12 pour la SIG. Ah, la belle passe dans ce match. L'extra passe également. Je n'ai pas voulu prendre Léo Cavalier ce jour. 3 points. Et bah, JB Bay va aller nous la déposer. Ça marche aussi. On prend. Alors honnêtement, là, ça circule. Vendredi ici. Cavalier à 3 points. Rebond off encore de JB Bay. La deuxième couche. Et ça finit par rentrer. Toujours, hein, qui va devoir travailler un petit peu, sortir ce ballon pour JB Bay. Et ça finit par passer pour le meneur. Qui est partout, qui a un énorme boulot hein, en défense, dans l'intensité, dans la présence, dans l'énergie un petit peu communicative. Le plus grand écart du match. Ah, mais donnez-lui la balle. À sentir un petit peu meilleur pour la bande de la Situovi. Francisco à l'énergie, avec la faute, à laquelle on va revenir. Continuer d'appuyer là où ça fait mal. À l'intérieur sur Cavalier notamment, très bien Cavalier. Ça. Tête désaxée, il a vu le cut, super. C'est pas le dernier. Hein. Allez, c'est bon Nicholson avec une belle passe. Jefferson d'habitude, c'est dedans. C'est le tempo qu'il affectionne. De la Situovi qui respire un petit peu mieux depuis quelques minutes. À nouveau 15 points d'avance. Il fait vraiment 3 secondes. Corps, hein, JB Mai. Ouais, compliqué. Ouf, ça c'est la classe hein, aussi. Il était dans la descente du saut. Ouais. Il s'est retrouvé plus de jus dans les cannes. Plus de Sico, on a complètement oublié l'oubli défensif là. Elle lui est tombée dans les paluches. Hein. Il va être avec Jefferson. Ouh, c'est ouais, ça tombe dedans, ça fait du bien. Et là, il est quand même en patron, a bien distillé, bien enchaîné, bien organisé le jeu. Et Wayne White. White pour nous. Pressé de près par Jefferson. La bonne défense de Bonzi Colson également à deux doigts de choper ce ballon. Il a réussi à trouver la passe. Kiyodano qui amène sa touche 74, c'était le match un petit peu piège et ben Jean-Denis Choulet et Rohan auront été comme souvent le poil à gratter, ils auront pu y croire hein, jusqu'au troisième quart.